Désormais, je cuisine les steaks que de cette façon. C'est la recette la plus simple et la plus délicieuse. Sur 500 g de steak, je vais casser un œuf, puis ajouter une cuillère à soupe de mayonnaise, une cuillère à soupe de moutarde et je vais bien mélanger. Pour l'assaisonnement, je vais ajouter une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de colorant, une cuillère à café d'ail écrasé et je vais bien mélanger. Les amis, cette recette est très facile et très rapide à faire. Faites-la chez vous et revenez ici pour nous dire ce que vous en pensez. On serait ravis de le savoir. Ensuite, dans un bol, je vais verser une tasse de chapelure. Puis, je vais napper tous les steaks avec la chapelure. Dans une poêle à feu moyen, je vais verser de l'huile jusqu'à ce qu'elle recouvre le fond de la poêle. Puis, je vais disposer les steaks dans la poêle pour les faire frire. Dites-moi dans les commentaires depuis où vous nous regardez. Pour que je puisse vous faire un coucou, on serait ravis de le savoir. Après avoir disposé les steaks, je vais recouvrir la poêle et laisser frire pendant 5 minutes. Ensuite, je vais retourner tous les steaks pour les faire frire de l'autre côté. Tout le monde chez moi a adoré cette recette. Le steak est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ça vaut vraiment la peine de faire cette recette pour le dîner ou le déjeuner. Je suis sûre que vous ne le regretterez pas. Quand le steak est bien frit, je le retire de la poêle. Maintenant, je vais répéter la même opération avec tous les steaks jusqu'à ce qu'ils soient tous frits. Si vous continuez de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous aimez notre recette. Alors, partagez cette vidéo avec vos amis, ça nous serait d'un grand soutien. Et voilà, c'est prêt! Regardez comme ils sont superbes! J'espère que vous avez aimé notre recette. Je passe maintenant jeter un coup d'œil aux commentaires pour remercier tout le monde. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus!